Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Israel Keyes, l'un des tueurs en série les plus redoutables de l'histoire américaine. Oui, redoutable, car il est un meurtrier méthodique, qui frappe n'importe où sur le territoire américain, qui peut s'en prendre à n'importe qui, n'importe quand, et surtout, qui ne possède aucun mode opératoire spécifique. À part ça, Israel Keyes est un homme comme les autres, si j'ose dire. Père de famille aimant et protecteur, mais qui cache au fond de lui une violence permanente d'une rare intensité. Cambrioleur, rançonneur, violeur, tueur, dépeceur, il coche toutes les cases du criminel le plus accompli. Or, il ne sera jamais jugé. En décembre 2012, quelques mois avant son procès en effet, il se suicide. Maintenant, comment cet homme que les enquêteurs du FBI définissent comme le profil type du psychopathe a-t-il fini par se faire arrêter ? Parce que c'est là que réside tout le mystère de ce serial killer, un mystère peut-être plus grand que les motivations qui sont à l'origine de son surnom, American Predator. Notre invitée aujourd'hui, Véronique Chalmé, journaliste, écrivaine, spécialiste en psychologie et en criminologie. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Stéphanie Fromentin, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. This is the Channel 2 News Late Edition. Good evening, everyone. The massive search for missing barista Samantha Koenig. Bonsoir à tous. Les recherches intensives pour retrouver Samantha Koenig, la barmaid disparue, ont pris fin, mais ce n'est pas la conclusion qu'espérait la famille. Plus tôt dans la journée, une équipe de plongée a découvert un corps dans le lac Matanuska. C'est probablement celui de Samantha Koenig. Police say Koenig likely died within hours of her abduction. La police pense que Samantha Koenig est décédée peu de temps après avoir été enlevée début février. Les plongeurs sont restés sur site jusqu'à lundi soir après avoir remonté plusieurs morceaux. Maintenant, la police veut savoir si des témoins savent quelque chose à propos de la camionnette de Keyes, qui était présente au lac Matanuska début février. La police a besoin de plus d'informations pour avancer dans son enquête vers le meilleur, ou bien le pire. Elle demande à toute personne qui aurait aperçu la camionnette de Keyes près de la zone du lac aux alentours de l'enlèvement de Samantha Koenig début février d'appeler le FBI. Le 3 avril 2012 à Anchorage, en Alaska, les restes d'un corps démembré sont retrouvés immergés à l'endroit le plus profond du lac Manatsuka. Cette découverte ne doit rien au hasard. Les agents du FBI ont suivi les indications très précises d'un homme suspecté d'enlèvement, Israel Keyes. Et il semblerait que le corps retrouvé soit celui que la police recherche depuis 3 mois. Une certaine Samantha Koenig, une jeune femme de 18 ans, disparue le soir du 1er février 2012. Ce soir-là, Samantha travaille dans un stand de café emporté en bord de route. C'est un cabanon en bois de petite taille et de couleur bleu vif, surmonté d'une enseigne en forme de boisson lactée, comme on en trouve un peu partout sur les parkings des entreprises. Samantha est seule pour ce quart de nuit. Et comme elle finit tard, son compagnon décide de venir la récupérer. Mais lorsqu'il arrive, elle n'est plus là. Bon, peut-être est-elle déjà rentrée. Alors il retourne chez eux, mais rien, personne. Quelques minutes plus tard, il reçoit un SMS. « Je pars en vacances, je suis fatigué. Je passe quelques jours avec des amis, préviens mon père. » Ils ne sont en couple que depuis 9 mois et demi, mais il sent bien que ce message ne peut pas provenir de Samantha. Au lever du jour, le père de Samantha, inquiet, appelle la police et déclare la disparition de sa fille unique. Un inspecteur se rend au kiosque à café. Le propriétaire lui fournit immédiatement les images de vidéosurveillance. Et là, on voit un homme qui se présente à la fenêtre du kiosque. Il est 20h. L'heure de la fermeture. Samantha lui prépare un café. En se retournant pour le servir, son langage corporel a changé. Elle est choquée, tendue. Elle fait un pas en arrière et lève les mains. Puis elle éteint les lumières. On aperçoit alors dans la pénombre un homme qui entre par la fenêtre. Quelques secondes plus tard, sur la caméra extérieure, Samantha et l'homme masqué avancent vers un véhicule. Il la force à monter, puis il s'éloigne. Samantha s'est volatilisée,
Son père décide d'agir. On se rencontre ici sur cette place car c'est l'endroit où ma fille a été enlevée. Ces gens doivent me rendre ma fille pour qu'on puisse reprendre notre vie. Je suis prêt à tout. Prenez-moi. 10 jours après la disparition de sa fille, le père de Samantha organise une veillée et lance un avis de recherche avec récompense. Il promet 41 000 dollars à qui l'aidera ou donnera une information utile au FBI. S'il vous plaît, aidez-moi simplement à retrouver ma fille. Je ne sais pas si elle est nourrie, soignée, si elle est encore en vie, si elle dort, déclare-t-il. Anchorage, en Alaska, est une ville plutôt petite à l'échelle américaine, 290 000 habitants. Alors, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Et on pense aussitôt qu'il est impossible de ne pas retrouver Samantha rapidement. Impossible que personne n'ait vu son ravisseur. Distribuez les dépliants, demandez autour de vous. Si vous connaissez quelqu'un qui sait quelque chose, faites-le parler. On se fait passer le mot. Et des centaines de personnes participent à la veillée aux chandelles. Les dons affluent, on fabrique des t-shirts à l'effigie de la jeune femme, des badges. Des bénévoles collent des affiches dans tout l'état d'Alaska. Les amis, la famille, tous se déploient à travers Anchorage pour essayer de retrouver Samantha. Mais aucune piste ne se dégage. Après 2 semaines et demie d'angoisse, le 24 février 2012 à 19h56, le petit ami de Samantha reçoit un nouvel SMS. Un message aussi mystérieux que sa disparition qui dit « Regardez dans Connor Park, sous le porte d'Albert. » La famille prévient le FBI et tout le monde s'est précipité à l'endroit indiqué. Jolene Golden, l'agent spécial du FBI en charge de l'enquête, témoigne. À l'entrée du parc, il y a un panneau d'affichage. Un sachet fermé y était agrafé, qui contenait une photo de Samantha et une demande de rançon. La note contient en effet une photo de Samantha et un long message dactylographié qui évoque un dépôt de 30 000 dollars sur le compte bancaire de Samantha. Un compte lié à sa carte de débit que possède le kidnappeur. La photo est bien celle de la jeune fille disparue. Elle tient un journal daté du 13 février, bien après son enlèvement, donc Samantha est en vie. Sur la photo, elle est ligotée, bâillonnée, l'image est trouble. Le FBI la remet à son père pour l'identifier. Après l'avoir attentivement regardée, il confirme. Oui, c'est bien ma fille. Mais elle ne se coiffe jamais avec une tresse. Ce n'est pas dans ses habitudes. Elle se préfère les cheveux lâchés. Ah bon? Mais peu importe la coiffure. L'important, c'est l'espoir qui renaît. Le père dépose 5000 dollars sur le compte dédié. Pour récupérer l'argent, le kidnappeur va devoir utiliser la carte bancaire de Samantha. Un risque pour lui, bien sûr. Une chance pour la police, et évidemment. Les inspecteurs sont à l'affût du moindre mouvement bancaire. Quelques heures plus tard, un premier retrait est effectué. Puis 3 jours d'intervalle. À chaque fois qu'il retire de l'argent, une alerte se déclenche. Des policiers sont envoyés sur place aussi rapidement que possible. Mais toujours quelques minutes trop tard. On visionne les caméras de surveillance. L'homme a une couverture sur le visage, des vêtements sombres et porte des gants. Bref, il n'est pas identifiable. Le compte reste ainsi inactif jusqu'au 7 mars. Mais une semaine plus tard, un autre retrait est effectué à Wilcox, dans l'Arizona, puis un autre à Lordsburg, au Nouveau-Mexique, le suivant à Humble, au Texas, suivi rapidement par Shepherd, toujours au Texas. L'homme se dirige vers le sud. Mais un jour, il commet une erreur. Sur la vidéosurveillance de Wilcox, on l'aperçoit descendre d'une Ford Focus blanche. Cette information est transmise aux forces de l'ordre qui surveillent les axes routiers, en particulier le couloir L10, celui qui part d'Anchorage et se dirige vers l'est. Le 13 mars 2012, dans le parking d'un hôtel, le caporal de la police autoroutière du Texas remarque un véhicule correspondant à la description. Il attend le propriétaire. Lorsque l'homme sort de l'hôtel et qu'il prend la route, le policier le suit. Il ne peut l'arrêter que s'il commet une infraction. Alors quand il dépasse la limite de vitesse, le policier l'arrête et procède au contrôle d'identité. Le conducteur possède un permis de conduire émis en Alaska au nom d'Israël Keys.
Un homme de 34 ans vient d'être arrêté en lien avec la disparition d'une jeune barmaid de 18 ans il y a 6 semaines. L'homme s'appelle Israel Keys. Il a monté sa propre entreprise de construction dans une grande ville. Il était suivi par la police et a été arrêté au Texas. Les policiers certifient que les recherches pour trouver la jeune femme, Samantha Koenig, continuent. Elle a été vue la dernière fois le 1er février quittant sa cabine à café avec un homme âgé. À 34 ans, Israel Keys est inconnu des services de police. Mais sa ressemblance physique avec l'homme qui récupère l'argent est troublante. Et puis le véhicule est le même que sur la vidéo de surveillance de Bill Cox, et ce n'est pas rien. Après avoir relevé l'identité de l'individu et appelé du renfort, le caporal procède à une fouille de la Ford. Et ce qu'il y trouve ne fait que renforcer son intuition. Il le sent, il tient son homme. Les vêtements qui sont sur le siège passager correspondent à la description de celui qui a fait les retraits d'argent. Il y a une arme dans le coffre, mais surtout, on retrouve la carte de crédit et le téléphone portable de Samantha Koenig. Suspecté d'enlèvement, Israel Keys est arrêté pour délit fédéral d'utilisation frauduleuse à la carte bleue. A-t-il enlevé Samantha Koenig ou a-t-il seulement utilisé une carte de crédit qu'il a trouvée après tout ? L'homme n'a aucun casier judiciaire, aucun crime à son actif, aucun délit sexuel dans son histoire. C'est un homme de 34 ans qui possède une entreprise de construction et qui mène une petite vie, disons, tranquille, dans une maison d'un quartier d'Anchorage, avec sa petite amie et sa fille de 10 ans. Pourtant, le FBI l'interroge sur cet enlèvement. Dans la salle interrogatoire, Keys, en tenue de prisonnier orange, menottes au poignet, est tout sauf impressionnant. Un type normal, comme beaucoup de criminels, en série ou pas. En tout cas, après un silence de 45 minutes et des preuves accablantes présentées par le FBI, Keys avoue, j'ai tué Samantha. Si je vous donne des détails, qu'est-ce qui va se passer après pour moi ? J'aimerais vous aider. Mais je sais pas. Bon, je vais tout vous dire, mais à certaines conditions. J'accepte de vous raconter la suite de l'histoire et tout ce qui s'est passé si vous me donnez un café allongé de chez Starbucks, une barre chocolatée au beurre de cacahuète et la possibilité de fumer un cigare. Obsédés par la recherche de la vérité, c'est leur métier. Les agents du FBI accèdent à toutes ces demandes. Israel Keys livre alors des aveux très détaillés sur le meurtre de Samantha Koenig. Des éléments tellement choquants que le FBI ne publiera jamais l'intégralité de l'enregistrement. C'est dans l'abri qui jouxte son domicile qu'il a séquestré Samantha. Il la ligote, boit de l'alcool, fume des cigares et met la musique à fond pour que ni sa compagne, ni sa fille qui sont présentes dans la maison, ni les voisins n'entendent le bruit. Il l'agresse sexuellement toute la nuit. Entre deux, il retourne au kiosque pour lui voler son téléphone et sa carte bleue. Puis il se rend à un distributeur pour vérifier combien elle a sur son compte. Au petit matin, étape par étape, il l'étrangle, puis la poignarde pour s'assurer qu'elle est bien morte. Après l'avoir déposée dans une malle, il va réveiller sa petite amie et sa fille. Ils doivent prendre la route pour partir en croisière dans les Caraïbes. Deux semaines de vacances, prévues de longue date, oui. Mais la décomposition du corps. Ah ça, avec le froid qu'il fait en plein hiver, aucun risque de décomposition, je pouvais partir tranquille. D'ailleurs, quand je suis revenu, le corps était complètement congelé, confie-t-il. Des aveux sidérants, car l'homme ne semble rien regretter. Non, indifférent. Détaché, il énonce ses informations sur un ton extrêmement calme. Une attitude qui fait dire aux agents qu'il n'en est peut-être pas son coup d'essai. Ils réalisent alors qu'ils ont face à eux ce qu'on appelle un sociopathe ou un psychopathe. En tout cas, pas un simple ravisseur rançonneur. Puis certainement, un serial killer. Comme leur confirme d'ailleurs l'intéressé, qui sous un rire sardonique lâche au policier « Eh ben voilà, vous l'avez votre monstre !» Sur France Inter.
Le FBI publie la chronologie du tueur en série dans l'espoir d'identifier ses victimes. Je suis Molly Halpern du FBI. Selon les enquêteurs, Israel Keyes a commis 11 homicides à travers les États-Unis entre 2001 et 2012. L'agent responsable de l'affaire, Jolene Golden, affirme que les enquêteurs ont identifié 3 victimes. C'est vraiment important pour nous de pouvoir apporter une sorte de conclusion aux membres des familles qui se demandent ce qui est arrivé à leurs proches. Keyes a également admis avoir commis de multiples enlèvements, des braquages de banques, des vols à main armée, des cambriolages et des incendies criminels. Il a dit aux enquêteurs qu'il enterrait des caches d'argent, d'outils et d'armes à travers le pays pour l'aider à commettre ses crimes. Notre principale préoccupation est d'identifier d'autres victimes d'homicide, mais nous voulons aussi identifier d'autres crimes qu'il a commis, parce que ça nous aidera à les localiser dans des endroits précis du pays. Si vous voulez plus de détails sur le parcours et les entretiens d'Israel Keyes, si vous avez des informations, appelez le FBI. En parallèle de ces appels à témoins, dont l'objectif est surtout de relier Israel Keyes à d'autres meurtres, les enquêteurs du FBI poursuivent leurs interrogatoires. Maintenant qu'ils ont la certitude que Samantha Koenig est morte, ils veulent savoir où est son corps et connaître les motivations du meurtrier. Et pour cela, ils ont besoin de preuves. Alors, ils lui demandent de les conduire au cadavre de Samantha en échange d'un autre café et d'une autre barre chocolatée. Israel Keyes accepte et continue ses aveux. À son retour de croisière aux Caraïbes, 2 semaines et demie après avoir tué Samantha, le corps a gelé, évidemment. Comme il a besoin d'elle pour la photo de demande de rançon, il dégèle le cadavre et le maquille. Il lui tresse aussi les cheveux comme il le fait pour sa fille. Puis, lui coule les paupières avec du fil de pêche, car il faut absolument qu'elle paraisse vivante. Après ça, il prend Samantha en photo et expédie la demande de rançon. Une fois ce travail terminé, il démembre le corps, transporte les morceaux à environ 35 000 au nord d'Anchorage jusqu'au lac Matanuska. À cette époque de l'année, le lac est gelé. On pratique la pêche au trou. Keyes se sert de ce prétexte pour installer un cabanon sur la glace, fore un trou, attache les paquets avec des fils à balles et des poids, puis les dépose dans le lac pendant qu'il pêche. Quand l'inspecteur lui demande s'il a attrapé des poissons, il lui répond « Oui, je les ai rapportés à la maison et je les ai mangés. » Les inspecteurs demandent alors à Keyes s'il en est à son premier meurtre. Eh bien, il suggère qu'il pourrait y avoir d'autres victimes, mais qu'il ne parlera de ce qu'il voudra. Commence alors entre le FBI et le meurtrier une longue année d'un duel psychologique. Chaque semaine, les enquêteurs s'entretiennent avec Keyes dans une ambiance plutôt cordiale. Oui, il lui apporte du café, des pâtisseries, le traite comme une personne respectable. Une stratégie payante. L'agent, Jolene Golden, obtient de Keyes des éléments concrets. La première fois qu'il a planifié le viol et le meurtre d'une femme, c'est à Maupin, dans l'Oregon, en 1997. Ce jour-là, une jeune femme s'éloigne de son groupe. Il l'emmène dans les toilettes publiques et l'agresse sexuellement, mais il ne la tue pas. Les réponses de Keyes confirment ce que le FBI redoutait. Il existe d'autres victimes. Mais il refuse de continuer de parler. Il exige qu'une date de condamnation soit fixée. Oui, il veut être condamné à mort, mais sans être jugé. Sinon, il ne dira rien. Quand je vous aurai donné ces informations, ce sera terminé. Je veux une date d'exécution. Pour vous ? Oui. Je veux que ça soit emballé, pesé et terminé le plus vite possible. Le problème, c'est qu'en Alaska, la peine de mort n'est pas en vigueur. Alors, pour faire avancer les choses, le procureur propose une solution. Avouez-nous d'autres crimes, et on essaiera de vous obtenir un verdict de peine de mort rapidement. Mais vous devez nous donner quelque chose pour qu'on vous prenne au sérieux. Israel Keyes accepte, mais à une autre condition. En plus d'une exécution rapide, il veut rester anonyme, que rien ne soit divulgué dans les médias.
Ma fille ne doit pas découvrir sur Internet ce que je fais en tapant mon nom. Je veux qu'elle puisse grandir sans cette épée de Damoclès. Et puis, je ne veux pas risquer de provoquer une crise cardiaque à ma mère. Je ne suis pas inquiet pour ma réputation, non. Mais ma fille et mes proches sont aussi des victimes. Ok, le FBI promet de ne rien divulguer aux médias. Et qu'ils recommencent à parler. Tiens, donnez-moi une carte. Un plan de Burlington dans le Vermont. Un cigare, s'il vous plaît. Une barre chocolatée et un café allongé. Et là, je vais vous donner deux corps et un nom. Après des mois de négociations, le FBI découvre que Keyes a sévi à 6500 km d'Anchorage en juin 2011. Ses victimes, Bill et Lauren Currier. Bill travaille à l'université d'Essex, il s'occupe des animaux. Lauren est infirmière dans la même université, elle s'occupe des humains. Mais le 9 juin, aucun des deux ne se présente à son poste. Leurs collègues s'inquiètent et contactent leur famille. Et les journaux locaux titrent, un couple disparaît, la police cherche des réponses. La disparition des Currier reste un mystère. Un couple local disparu, aucune preuve retrouvée. La police municipale se rend sur place dans la petite maison de couple, plein pied, bout de jardin sans barrière, comme il y en a beaucoup dans le coin. À part la vitre du garage, brisée. Aucun indice. La ligne téléphonique est sectionnée. Aucune trace de lutte dans la maison. Les curieurs se sont volatilisés. Un vrai mystère. Jusqu'à ses aveux de Keyes, 8 mois plus tard. Ce jour-là, j'avais décidé de tuer. J'ai pris l'avion pour Chicago, puis j'ai loué une voiture. Et j'ai roulé vers l'est. J'avais pas encore choisi ma victime, mais je me suis mis à surveiller une maison qui disposait des critères nécessaires. Entrée et sortie facile. Une seule voiture, aucun chien, aucun enfant non plus. J'ai sectionné la ligne téléphonique pour éviter qu'une alarme s'enclenche. Puis j'ai attendu une heure ou deux que le voisinage aille se coucher. Je suis entré dans la maison en démontant la moustiquaire d'une des fenêtres du garage. J'ai utilisé une barre à mine trouvée sur place. Je suis arrivé dans leur chambre en 5 secondes à peine. Évidemment, ils dormaient. Israel Keyes attache alors Bill et Lauren avec des câbles et les embarque dans leur propre voiture. Il a repéré une ferme délabrée, abandonnée. C'est là qu'il les emmène. Arrivé sur place, Keyes descend Bill dans la cave et le ligote. Puis il remonte dans le salon, attache Lauren et la viole. Bill entend tout depuis la cave. Plusieurs fois, il tente de se libérer en vain. Au petit matin, Israel les tue. Découpe leur corps, met les morceaux dans des sacs poubelles qu'il cache dans la cave et rentre dormir dans la chambre d'hôtel qu'il a réservée l'avant-veille. Pendant qu'il raconte froidement son double crime, une question taraude les inspecteurs. Comment peut-il se procurer une arme à feu et du matériel si loin de son environnement quotidien? Eh bien, la réponse va achever de le sidérer. J'ai caché du matériel à travers tout le pays, avoue Israel Keyes. Au cours de ses voyages, il a effectivement disséminé des bidons hermétiques contenant tout ce qu'il faut pour tuer et faire disparaître un corps le moment venu, autrement dit, de l'adhésif, des pelles, des armes, de la corde, du débouche canalisation, de la soude caustique et de l'argent, le kit du parfait meurtrier. Ainsi, le seau orange contenant le matériel d'exécution des Currier a passé plus de 2 ans dissimulé sous des rochers pendant que Keyes passait sa vie en Alaska, conscient qu'il reviendrait un jour les utiliser. Il avait enterré ce matériel pendant l'un de ses voyages en 2009. Quand j'étais gamin, je rêvais de déterrer les trésors cachés. Alors, j'ai créé les miens. Il se trouve que Keyes est un ancien militaire, il est donc organisé, méticuleux, extrêmement patient. Pour la première fois, le FBI montre dans l'émission 48 heures le contenu de ce que Keyes appelle une cache de destruction. Dolene Golden, l'inspectrice qui mène les interrogatoires pour le FBI, raconte ce processus. Ce seau a été trouvé près des chutes de Black River à New York. Tout était rangé dedans. En gros, il y avait 3 types de caches. Il y avait des caches contenant des armes, des pistolets, des attaches, des zips, tout ce qu'il pouvait utiliser pour commettre un homicide. D'autres qui contenaient de l'argent liquide, de l'argent qu'il avait volé.
Et le troisième type de sceau était ceux où il conservait les souvenirs dérobés à certaines de ses victimes. Il était préparé. Et c'est une des raisons pour lesquelles le cas Israel Keyes est unique à mon avis. Il était très méticuleux. Sa façon de tout planifier, et puis cette capacité à conserver autant de choses en un seul endroit, démontre bien qu'il était incroyablement dangereux. Israel Keyes aurait ainsi prédisposé une douzaine de ses sceaux orange dans différents états des États-Unis. Dans des caches au milieu de la forêt ou de carrières, au fond de ravines. Et quand l'envie lui prenait, s'il se trouvait à proximité, il avait ses outils, prêts à servir. Il pouvait aussi planifier un voyage dans un état en particulier, sachant qu'il y avait déjà une cache. Le plus souvent, il ne savait pas qui il allait tuer, mais il savait déjà qu'il aurait tout le matériel nécessaire à disposition. C'est une première pour Jolene Golden, qui avoue ne jamais avoir vu ça de toute sa carrière. Voilà bien la marque de fabrique du serial killer Israel Keyes, l'anticipation, la préparation, la patience et les kits de meurtre. Keyes indique au FBI la cache qu'il a utilisée dans le Vermont. Avec ses outils meurtriers en main, il est parti à la recherche de victimes et s'est retrouvé devant la maison d'écurie. Le hasard absolu. Bill et Lorraine Currier, Samantha Koenig, voilà qui porte à 3 le nombre des victimes de Keyes. Mais au vu de ces révélations, le FBI est maintenant persuadé qu'elles sont plus nombreuses. Ils se mettent alors en relation avec toutes les équipes criminelles de chacun des états du pays. Ils recueillent des témoignages de familles de personnes disparues et ils font des recoupements avec les déplacements de Keyes. Cette technique leur permet de trouver plusieurs corrélations. Mais pas de prouver qu'il y a eu meurtre, et pour cause. Pas de corps retrouvé. Pourtant, les enquêteurs le soupçonnent d'avoir fait 4 victimes dans l'état de Washington, d'être le meurtrier de Julie Marie Harris, une athlète paralympique de 12 ans, disparue le 3 mars 1996 à Colville. Dans l'ordinateur de Keyes, les policiers retrouvent la photo d'une femme disparue dans le New Jersey en 2009, Debra Feldman. Des indices corroborent la présence du tueur dans le Wyoming et en Californie en 2007, au moment où d'autres personnes disparaissent sans laisser de traces. Mais les road trips d'Israel Keyes semblent ne pas se limiter aux États-Unis, parce que la même année, il conduit seul le long de l'autoroute Alcan qui traverse le Canada jusqu'en Alaska. Un voyage d'environ une semaine. Le FBI met également en parallèle des cambriolages de banques imputés à Israel Keyes. Après 6 mois d'interrogatoire, les policiers le soupçonnent d'avoir tué 8 personnes en plus des 3 connues, 11 meurtres au total. Et ils n'ont pas d'autre choix que d'obliger Keyes à passer à des aveux complets. La méthode douce commence à perdre du terrain, il passe donc à l'offensive et accentue la pression. Combien de meurtres? Combien d'états traversés? Il leur faut des noms, des dates. Israel Keyes se dévoile au détour de conversation, mais jamais frontalement, ni jamais entièrement, même si parfois, au détour d'une question, il lâche une information. Personne ne me connaît, ni ne m'a jamais vraiment connu. Personne ne sait rien de moi. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec ce que moi je vais vous dire. Je suis 2 personnes différentes au fond. Et le seul à savoir ces choses, ce que je raconte, c'est moi. Depuis combien de temps êtes-vous 2 personnes différentes? Depuis longtemps. Depuis que j'ai 14 ans. Israel Keyes aurait donc commencé à tuer à 14 ans. Élevé à l'écart de la société pendant son enfance, il se promène avec un pistolet partout où il va. Et son grand-père lui offre un revolver de calibre 38 qu'Israël équipe d'un silencieux fabriqué maison. À partir de ce moment-là, lui et un ami prennent l'habitude de s'introduire dans des maisons et de les cambrioler. La singularité d'Israel Keyes sur les autres, c'est qu'il tue les animaux de compagnie et, dit-on, il y prend un certain plaisir. Lorsque l'automne 2012 arrive, le FBI l'a interrogé plus de 25 fois pour un résultat assez médiocre finalement. Car leur homme distille les informations, mais ne fait que profiter des entretiens, comme s'il s'agissait de bouffées d'oxygène. La libération par la parole, peut-être. Mais les auditions ne lui suffisent plus.
Maintenant, il veut la peine de mort et il le répète. Les inspecteurs ont fait quelques découvertes, mais pas suffisamment. Et Israel Keyes se recroqueville. On craint qu'il ne se ferme pour de bon. Or, le FBI a besoin d'informations que lui seul détient. Alors ils font une dernière tentative et lui proposent de les aider à localiser les corps à l'aide d'un drone. Ça lui permettra de prendre l'air, Israel Keyes accepte. Mais deux jours plus tard, le 1er décembre 2012... Le FBI vient de nous transmettre cette information importante sur Israel Keyes. Le serial killer s'est apparemment suicidé dans sa cellule dimanche dernier. Keyes avait avoué 7 meurtres, donnant au FBI un certain nombre de détails. Après 7 mois d'interrogatoire, Keyes décide de prendre une vie de plus, la sienne. Il est retrouvé mort au complexe correctionnel d'Anchorage. Il a utilisé un rasoir jetable pour se couper les veines du poignet après avoir tenté de s'étrangler avec un drap de son lit. Keyes a profité du manque de sécurité dans la petite prison d'Anchorage en Alaska pour mettre fin à ses jours. Plutôt la mort que la prison. Pour un serial killer, le suicide est peut-être le dernier acte de liberté. À l'intérieur de sa cellule, sous son corps, les geôliers découvrent une note étrange. Elle est imbibée de sang. Une combinaison de crayons et d'encre sur un bloc-notes jaune, illisible, qui sont envoyés au laboratoire du FBI en Virginie. Les inspecteurs espèrent trouver des indices qui leur donneraient enfin toutes les informations sur les homicides qu'Israel Keyes aurait commis. Mais les conclusions sont décevantes. Les écrits ne contiennent aucun code, ni aucun message caché. Non, pas même une piste qui aurait pu permettre d'identifier d'autres victimes potentielles. Oui, la déception est immense pour le FBI après tout ce travail. Israel Keyes a jeté des mots sur du papier au fil de sa pensée, une sorte de coup de gueule poético-psychologique d'un serial killer. Mes seuls regrets, c'est que j'ai vraiment essayé de garder mon self-control. Je suis content, mais je ne peux pas être satisfait de rester en prison toute ma vie. Je préfère sortir tant que j'ai un peu de santé mentale et de bons souvenirs. Quand il prononce ces mots lors d'un énième interrogatoire le 12 avril 2012, Israel Keyes sait déjà que s'il n'obtient pas la peine de mort, il mettra fin à ses jours lui-même. La faute des enquêteurs, c'est ne pas avoir appris la dimension suicidaire de leur prévenu. Plutôt mourir que vivre enfermé, il l'a dit tellement de fois. Car quelques mois avant son suicide, il trouve sur le mur de sa cellule un dessin. Une série de 11 crânes avec ce message écrit en légende « We are one, nous ne faisons qu'un ». Des têtes de mort qu'Israel Keyes a dessinées avec son propre sang. 11 crânes, 11 meurtres. Une signature, celle d'un serial killer, certes, mais dont le mode opératoire continue d'étonner des années après les faits. Peut-être cela d'ailleurs est-il étudié dans les écoles de police américaines. Voir du tueur en série Israel Keyes, dont nous allons parler avec notre invitée Véronique Chalmet. Bonjour. Bonjour Fabrice. Journaliste, écrivaine, vous êtes spécialisée en psychologie et criminologie. Alors, serial killer aux États-Unis, tueur en série en France, c'est la même chose. Sauf qu'ils ne sont pas les mêmes, ces gens-là. Il y a vraiment plusieurs profils. En quoi celui-là est-il pour vous un profil vraiment particulier? Alors, lui, il fait partie des tueurs, ce qu'on appelle les tueurs organisés, puisqu'on a les serial killers, oui, très organisés. Donc, organisés ou pas, on distingue aussi ceux qui sont psychotiques ou pas, c'est-à-dire fous ou pas. Alors, lui, c'est un petit peu compliqué, parce qu'en fait, il mélange un petit peu tous les tableaux. Et puis, le fait qu'il se soit suicidé, c'est aussi un trait caractéristique des tueurs qui sont psychotiques. Cela dit, son organisation, la façon dont il organisait ses caches, ça dénote plutôt un tueur organisé, non psychotique. Donc il a vraiment des caractéristiques des deux. Alors tous les gens qui portent des valises lourdes à cause d'enfance chaotique ne deviennent pas serial killers, heureusement. Non, heureusement. Heureusement. Quel lien on peut faire avec sa vie, son enfance? À 14 ans, il y a déjà un fusil, et ce qu'il devient après? J'imagine que les experts se sont penchés sur ce cas.
Oui, alors on dit qu'on... Enfin, les psychiatres sont plus ou moins d'accord en ce moment parce que c'est encore des catégories assez difficiles à déterminer pour dire que on est psychopathe. Et on devient sociopathe, par exemple. Mais les deux caractéristiques de ces pathologies, enfin, ce sont des troubles du comportement, et ça dénote une froideur, une incapacité à faire preuve d'empathie envers autrui. Et lui, effectivement, quand il a été tout jeune, il a été éduqué à n'avoir aucune empathie, tout simplement. Ouais. Dans la violence, même. Dans la violence totale. Ouais. Ses parents étaient des espèces d'extrémistes religieux, suprémacistes blancs, donc déjà, ça part mal. Il a été élevé quasiment dans les bois, c'est-à-dire qu'on le laissait livré à lui-même, il devait chasser, il devait construire son abri lui-même. Il était le fils aîné d'une fratrie de 10, donc voilà, c'était très compliqué. Lui devait subvenir un petit peu aux besoins des autres, enfin. Et puis, il a pris goût au meurtre très tôt, enfin pas au meurtre, mais à la tuerie en tout cas, ouais. Très très tôt. Chasser, dites-vous, chasser, c'est terrible, terrible, le mot est terrible. C'est vraiment un chasseur, ouais. Et puis d'ailleurs, il a fréquenté aussi dans cette secte religieuse dans laquelle il était des gens qui étaient des extrémistes racistes, dont en fait son meilleur ami est devenu un tueur multirécidiviste également. Donc voilà. Un environnement. Quelle différence entre psychopathe et sociopathe? Alors si je peux me permettre, il n'y en a pas vraiment, en fait. Non, il n'y en a pas vraiment. Sinon que sociopathe, c'est plutôt quelque chose qui serait a priori plus lié à l'environnement, alors que psychopathe, il y aurait une composante plus génétique, en fait, et héréditaire. Alors la question qu'on se pose le concernant, mais on se la pose aussi concernant d'autres tueurs en série dont on a pu d'ailleurs ici raconter la vie, comment expliquer la dichotomie qui est intrinsèque à Israël Keyes en tout cas, qui anticipe ses crimes, les prépare, patiente et en parallèle il mène une vie normale, enfin il part aux Caraïbes avec sa compagne et sa fille de 10 ans, il se pose la question du corps, est-ce qu'il va geler? Oui, il va geler, bon voilà quoi. C'est quand même, ça nous interpelle, forcément. Oui, mais c'est l'apparence de la normalité, c'est-à-dire que c'est vraiment un masque, c'est un jeu de rôle en fait. Un tueur en série, c'est quelqu'un qui vit dans le jeu de rôle permanent. Et d'ailleurs, ils aiment beaucoup les déguisements. Par exemple, Ted Bundy, qui était un autre tueur en série que Keyes admirait beaucoup d'ailleurs, lui, il s'est mué en son propre avocat d'ailleurs pendant son procès. Et il a dit, oh bah tiens, j'endosse le costume de l'avocat cette fois. Bon, on a d'autres tueurs en série qui se sont fait passer pour des policiers. Il y en a un certain nombre qui sont passés par l'armée comme lui. Il y en a d'autres qui étaient postiers. Enfin, l'uniforme de manière générale les attire beaucoup. Oui, parce qu'on a plusieurs serial killers ou assassins qui ont été dans l'armée avant. Enfin, ça ne veut pas dire que l'armée génère les assassins, non. Au contraire. Mais qu'il y a ce côté. C'est étonnant qu'il y ait tant dans l'armée. Oui, et puis, enfin, alors, sur un autre aspect, on a John Wayne Gacy aussi qui tuait des jeunes hommes et qui, lui, en fait, avait pour hobby de se déguiser en clown pour aller rendre visite aux enfants malades dans les hôpitaux, par exemple, et qui se déguisait justement en policier pour chasser, parce que là encore, on est dans la métaphore de la chasse, parce que finalement, les tueurs en série ont une vie fantasmatique qui tourne beaucoup autour de ça. Alors, quand il est arrêté, il émet plusieurs conditions pour parler, protéger sa fille et sa mère des informations pour qu'elles n'apprennent pas ce qu'il a fait, obtenir sa peine de mort, on peut le dire comme ça. Mm-hmm. Et puis des gourmandises, chocolat, café, cigare. Qu'est-ce que ça dit de cet homme, tout ça? Ça dit une immaturité totale. Ça dit aussi qu'il il était très profondément marqué, pas dans le bon sens, par sa maman. C'était quand même un fils à maman parce que il a dit qu'il voulait pas que sa mère quand même fasse un infarctus en apprenant voilà ce qu'il avait fait. Et puis voilà, il y a tout un côté très finalement régressif quoi dans ces demandes. Alors ça demande de subir la peine de mort. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment aussi, là on est dans la volonté de toute puissance, c'est-à-dire que les tueurs en série, c'est ce qui les motive, c'est la toute puissance, ils veulent l'avoir jusqu'au bout, ils veulent avoir le contrôle jusqu'au bout. Et par la transgression. On va se retrouver dans... Terre. Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Véronique Chalmé, on va parler un peu du FBI. Trois noms extrêmement connus, évidemment, mais peut-être pas forcément connus pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que le FBI est en pointe dans la recherche des serial killers. La série TV Mind Hunter montre la création du FBI et son rôle, justement, dans la recherche des tueurs en série. Quelle est la particularité de cette police et peut-être même de cette équipe qui s'est mise sur l'affaire Keyes? Bah, en fait, c'est eux qui, pour la première fois, ont établi des profils de tueurs en série. Ça a commencé avec James Brussel, qui était un psychiatre, qui a travaillé sur le cas de Matt Bomber, qui était un terroriste qui sévissait dans New York dans les années 50. Mmh. Ensuite, on a eu en 43, enfin avant, on avait eu en 43, donc Walter Lang, qui était un psychiatre, qui avait fait le profil de Hitler, donc qui était un psychopathe qui avait réussi en politique, on peut dire. Et puis ensuite, dans les années 70, on a eu toute une série de détectives qui se sont intéressés justement au phénomène des tueurs sériels qui devenaient de plus en plus prégnants. Donc on a eu par exemple Walter Tetton qui a été le premier à créer un cursus de profiling à Quantico. Ensuite, on a eu Robert Kepel et Richard Walter. Donc souvent, ils fonctionnent en tandem, c'est-à-dire un psy plus un détective. Alors eux ont créé une base de données qui est toujours utilisée d'ailleurs pour faire des recoupements et pour chasser les tueurs en série. Et puis on a aussi dans les années 80 Robert Ressler et John Douglas qui ont par exemple accueilli l'équipe du tournage du Silence des Agneaux pour leur donner des éléments qui leur ont fait écouter d'ailleurs des bandes où on entendait des gens qui étaient torturés par des serial killers et le personnage qui jouait Jack Crawford, Scott Glenn, donc l'acteur, s'est fondu en larmes. Enfin, il a complètement calqué son rôle à partir de cette impression et de ce que lui avaient dit les gens du FBI. Et pourquoi ce sadisme parfois, c'est-à-dire la torture, les serial killers, je suis pas sûr, certains ils ont tous torturé, peut-être certains ont tué, mais ça revient souvent, ce côté sadique. Oui, alors ça revient souvent, et d'ailleurs ça avait été souligné par Kraft Ebing au 19e siècle, qui n'avait pas encore catégorisé tout ça, mais qui avait quand même vu qu'il y avait des types de tueurs multirécidivistes, donc qu'il appelait des monstres psychosexuels, parce qu'il y a cette dimension sexuelle, fantasmatique à chaque fois. Des monstres, on pourra revenir sur le mot, mais je reviens juste une dernière fois sur le profiling, qu'on peut dire traduire par profilage, France, avec des profileurs. C'est quoi exactement? On a plutôt compris, mais avant on avait les portraits robots. Bah, finalement, ça a servi les portraits robots, mais c'était peut-être pas suffisant. Le profiling, c'est le portrait robot, alors vraiment sophistiqué, amélioré, c'est ça? C'est la même idée un peu? Oui, ça donne un peu le profil psychologique, ce qu'on appelle aussi le modus operandi, c'est-à-dire la façon dont ils choisissent leurs victimes, dont ils procèdent. Mais il y a une chose beaucoup plus importante, parce que la façon dont ils procèdent, le modus operandi, peut changer. En revanche, la signature, ce qu'on appelle la signature d'un serial killer, ne change jamais. Et ça, c'est un petit peu les indices qu'il laisse qui sont caractéristiques de son inconscient, en fait. Par exemple, ou de sa façon de faire les choses systématiquement, sans trop réfléchir, comme dans le cas de Case, d'enterrer en fait des espèces de kits pour tuer les gens. Bon, ça c'était son truc à lui et ça n'appartient à personne d'autre. Et le profiling, le profilage, on va dire, a montré son efficacité dans les enquêtes à résoudre qui ont été. Oui, c'est devenu vraiment un instrument de pointe, y compris en France où on a des gens comme Guy Georges. Enfin, il a bien fallu aussi les arrêter. Bien sûr. Et donc, en fait, en 2003, en France, on a eu la mise en place de quelque chose qui s'appelle le SALVAC, le système d'analyse des liens de la violence associée au crime, donc qui est une espèce de questionnaire en 168 points. Point que les enquêteurs remplissent quand ils ont l'impression que des crimes peuvent revenir avec les mêmes caractéristiques. Et donc, c'est utilisé avec d'autres fichiers, des logiciels en France, pour faire des recoupements et pour chasser, débusquer les tueurs en série. En fait, c'est comme des petits cailloux que les tueurs en série laisseraient involontairement, pour la plupart, sur leur chemin. Mais je me dis, pour qu'on les retrouve, alors qu'ils veulent pas qu'on les retrouve. Alors on dit, ils sont intelligents.
Sont-ils vraiment intelligents, les serial killers? Eh ben non, vous avez raison, c'est pas toujours le cas. Loin de là, on a quelques stars, entre guillemets, comme Ted Bundy, dont on estime le QI à plus de 124, alors que la moyenne des gens, hein, c'est entre 90 et 110. Et finalement, il y a une université en Virginie qui a pris les dossiers de plusieurs milliers de tueurs en série, tous azimuts, européens, américains, etc. Et ils se sont aperçus que finalement, la moyenne, c'était de 94, donc un QI très très bas finalement, quoi. Ça rassure. Ça rassure, mais ça en dit long aussi sur la fantasmatique qui est véhiculée par quelques types de tueurs en série un peu spectaculaires. Alors vous avez travaillé essentiellement sur des cas américains, pas des cas français. Pourquoi ? Pour le plaisir du recul, de pouvoir décortiquer un petit peu ces cas en toute quiétude. Par ailleurs, j'avais quand même mené une enquête, un reportage dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité à Cadillac en Gironde. Alors, sans aller dans j'ai été confrontée du coup à des tueurs multirécidivistes et donc j'ai pu voir un petit peu les différences. En France, donc. Merci infiniment, Véronique Chalvet. Merci à vous. Jamais. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le cas Israël Keyes.